ces cavaliers semblent venir d'un autre âge. Ce n'est pas par hasard. Arthur Konopaki et ses camarades sont sur les traces de leurs ancêtres. Des ancêtres surprenants pour des citoyens polonais. Car les ancêtres d'Arthur ne sont autres que les cavaliers de Gengis Khan. Ceux-là même qui ont fait de la Mongolie le plus grand empire que la Terre ait jamais porté. Des guerriers impitoyables, partis de Karakorum vers l'an 1200. 40 ans plus tard, ils envahissent le Moyen-Orient et sont en Europe. Ils utilisent le cheval à merveille, usent de techniques de guerre inconnues pour l'époque. Ils emportent tout sur leur passage. En 1241, après Kiev et les principautés russes, les Tatars arrivent en Pologne et en Silésie. Ils détruisent même la ville de Cracovie. Mais la chute de l'Empire mongol est inévitable. Un jour, les Chinois envahissent cet empire devenu un monstre distendu. Et ces milliers de cavaliers invincibles se retrouvent sans patrie. Lors de leur retraite improbable vers la terre natale, certains clans décident de ne pas rentrer dans leur patrie annexée. Ces Tatars, car tel était leur nom, veulent trouver des terres, se sédentariser, se faire admettre, loin de chez eux, en terre ennemie. Les héritiers de Gengis Khan ont gardé leur mode de vie et leurs habitudes. Les chariots, les yourtes, le cheval, l'arc et les flèches, mais aussi les jeux violents ancrés dans la nature de ces envahisseurs déchus. Payant hommage au roi de Pologne, ils se mirent au service de la patrie qu'ils avaient combattue. Les hordes tatars devinrent alors, en quelques années, les unités d'élite de la cavalerie polonaise. En 1410, le roi Jagiello de Pologne affronte les chevaliers teutoniques lors de la bataille de Grunwald. Les Tatars appliquent victorieusement leur méthode de guerre. Dès lors, les cavaliers teutoniques, battus, allaient vers leur déclin. Ironie de l'histoire, quelques décennies plus tard, il leur faut repousser la Horde d'Or, ce dernier royaume mongol créé au nord de la Caspienne par un fils de Gengis Khan. En cette occasion encore, les Tatars font merveille et les Polonais l'emportent. En 1683, lors de son retour de la bataille de Vienne contre les Turcs, le roi polonais Jean III Sobieski doit la vie sauve à Samuel Krzeczkowski, un capitaine tatar. À cette occasion, le roi anoblit plusieurs familles tatares et leur concède des terres à l'est de la Pologne actuelle. Depuis cette époque, les Tatars vivent en Podlaquie, à la limite de la Pologne et de la Biélorussie. Au sein de la très catholique Pologne, des écritures saintes, des signes arabes et des versets du Coran s'affichent à quelques kilomètres seulement des plus grands lieux de pèlerinage chrétien. Partis à la conquête du monde, les héritiers de la très bouddhiste Mongolie ont progressivement assimilé des cultures et des croyances issues des nations qu'ils envahissaient. Les hordes tatars oublièrent les enseignements de Bouddha au contact des Perses, des Turcs et des premiers Ottomans. Ils prirent l'habitude de se laver les mains et le visage à l'eau d'une outre, de se tourner cinq fois par jour vers la Mecque, de chanter la gloire de Dieu, même si parfois il s'agissait de l'hymne de leurs frères ennemis, la Horde d'Or. Certains apprirent la langue et l'écriture coranique et devinrent imams. Siècle après siècle, les Tatars de la région devinrent musulmans.
leurs derniers descendants, suivent la même foi depuis cette époque. Au cimetière de Koubziani, dont la porte est surmontée d'un croissant, Arthur, l'étudiant en histoire, Thomas, étudiant à l'école coranique de la Mecque El Zamil, et ses compagnons prient avant de se diriger vers une tombe particulière. Ici, les prénoms à consonance musulmane se superposent à des noms de famille à consonance polonaise. Voici le caveau des Chazbievich. On peut y voir quelque chose de caractéristique. C'est la tamga de la famille, un genre de blason. Les tamgas remontent à l'époque où les Tatars marquaient leurs troupeaux avec une marque personnelle. C'était le signe distinctif de chaque famille. Si la famille était anoblie, la tamga devenait son blason. Encore aujourd'hui, on retrouve tout un armorial de tamga tatar. Ici, il y a une tombe toute récente. Elle date de cette année. Elle est entourée de pierres. Ici, même les caveaux sont recouverts de pierres. Par tradition, il devrait y avoir trois rangées. Le chiffre doit être impair. Pourquoi ? Il y a deux explications à ce sujet. D'abord, à l'époque, si on ne recouvrait la tombe qu'avec du sable, le vent aurait dispersé ce sable et la tombe aurait disparu. Alors, on la recouvrait de pierres. Ensuite, cela empêchait les animaux de creuser et de déterrer les morts. Toutes les tombes sont orientées vers l'est, comme les mosquées, en direction de la Mecque, pour que, une fois venu le jour du jugement dernier, les morts puissent se lever et partir directement vers la Mecque. Chaque jeune se dirige ensuite vers d'autres tombes. Celui-ci vers celle de l'un de ses arrière-grands-parents. Celui-là vers la tombe de l'émir Yakub Chazbievich, grand-père d'un célèbre poète tatar. Enfin, le petit groupe se rassemble une nouvelle fois pour rendre hommage à tous leurs ancêtres disparus. Alexandre Poplavski est un personnage hors du commun. Il a été prévenu du voyage des jeunes. La longue route à cheval va probablement les fatiguer. Surprise, Arthur se présente seul. Seul et fatigué. Les autres ont renoncé. Il salue le vieil homme avec le salut des musulmans. Monsieur Poplavski, j'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous prier pour moi? Je ne sais pas s'il le faut. Bon, si tu veux, je vais prier pour toi. Deux versets du Coran sont inscrits sur le mur de la maison. Mais Poplavski en connaît bien d'autres. Lui qui est connu dans la région sous le nom de Faltzegem, le guérisseur. Le vieux se met à prier. Seigneur, garde cet enfant en bonne santé. Seigneur, garde cet enfant en bonne santé. Puis il souffle mystérieusement trois fois sur la tête d'Arthur. Quand vous faites « ça veut dire quoi ?» dit Arthur.
Je dois prier et souffler sur la personne pour l'aider. Les Miluszki sont des prières écrites pour les malades. Écrites pour, comme on dit en polonais, mettre la jambe malade sur la chaleur des braises pour qu'elle traverse le corps et emporte le mal. Le vieil Alexandre est un chaman. Il connaît les médications qui s'écrivent, qui soignent mais ne se déchiffrent pas. Poplavski est un guérisseur, un chaman musulman. Je vais écrire trois prières spécialement pour toi. Alexandre trace des duals sur trois feuilles, des signes mystérieux, en arabe, sur trois petites feuilles. Il faut plier la feuille comme ça, puis il faut la brûler et respirer pour que la fumée se disperse dans le corps. Après avoir fait boire à Arthur, la deuxième feuille jetée dans l'eau dès que l'encre s'est dissoute, et lui donne la troisième pour l'enterrer près d'un moulin. Je vous remercie, monsieur. Salam alaikum, dit Arthur. Incroyable face-à-face entre une religion qui a toujours strictement fixé les règles de vie de ses fidèles et les traditions des Tatars, qui pourraient faire se retourner Mahomet dans sa tombe. Plus l'islam s'éloigne de la Mecque, plus sa doctrine s'essouffle, perd de sa consistance, est contrainte à s'adapter, à accepter les habitudes de ceux qu'elle n'a pas réussi à convaincre. Un vrai paradoxe. Arthur s'installe dans un coin de la pièce et suit à la lettre les consignes de M. Poplavski. Il brûle le papier et inspire profondément. Vendredi est le jour saint, mais le vieux Poplavski n'ira pas à la mosquée. Non pas parce que ses pouvoirs le condamnent aux yeux de l'imam, mais tout simplement parce que ses jambes ne le soutiennent plus. La semaine dernière, son fils l'avait porté jusqu'au lieu de prière. Aujourd'hui, seule la prière le gardera en contact avec le divin. La mosquée de Kujiniani date du XVIIIe siècle. Elle est construite en bois. Elle a remplacé une autre mosquée brûlée à l'issue d'une bataille qui témoignait de l'ancienneté de la présence tatare dans la région. L'intérieur de la mosquée est modeste, mais l'essentiel est présent. Quelques versets du Coran inscrits sur la Qibla, le mur qui indique la direction de la Mecque et permet aux fidèles de s'orienter pour la prière. Le mihrab, cette niche symbolique creusée dans la Qibla, qui signifie refuge, éclairée par une lampe. Le mihrab symbolise la lumière de la parole du prophète. Une indispensable cloison ajourée sépare les femmes des hommes. Elle est placée en mezzanine pour leur permettre d'entendre la prière du vendredi, la Dzuma Salat, récitée par l'imam, sans toutefois le voir. Dans sa maison de Médine, le prophète s'installait sur un escabeau en bois pour prêcher. Le minbar, la chaire à degrés, est inspiré de cette tradition. Les livres religieux, tels le Kitabi ou le Shama'ila, servent de référence aux croyances de la région. Ils ont été recopiés au fil des siècles à partir de livres en langue arabe ou turque. Ils enseignent les versets du Coran, la parole de Dieu transmise à Mahomet par l'archange Gabriel, mais aussi l'astrologie et l'interprétation des rêves, des conseils pour la vie quotidienne et les médications. Les versets du Coran doivent être écrits et récités en arabe. Mais pour une meilleure compréhension de ces fidèles si éloignés de la Mecque, ils ont été traduits ici en polonais et en biélorusse. Ceci est exceptionnel dans le monde musulman. Les fidèles prient ensemble, mais chaque musulman est son propre prêtre, même si les fidèles effectuent ensemble les mêmes gestes. En islam, il n'y a pas réellement de clergé. Il y a des initiés à la parole du prophète. Les fidèles écoutent avec la plus grande ferveur les versets du Coran. Pour les Tatars, ils ont une signification mystique
et la mélopée prend des reflets d'une musique cosmique. Un jeune couple pénètre dans la mairie de Sukhovola. Elle est la cousine de Salim Chazbievitch, le poète le plus connu de la région. Ils vont se marier devant l'aigle, l'emblème de la nation polonaise. Maciej Sulkiewicz, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Tamara? Oui. Mademoiselle Tamara, acceptez-vous de prendre pour époux Maciej Sulkiewicz ici présent? Oui. En fait, toute la famille de Tamara est réunie pour un déjeuner et pour visionner les images du mariage qui a eu lieu 4 mois plus tôt. Je faisais une de ses têtes. Ça va mieux 4 mois après le mariage. Après leur mariage devant l'aigle, les époux se marient devant le croissant, leur mariage religieux officié par l'imam Chaleki. L'imam demande d'abord au futur époux ce qu'il possède pour acheter sa femme, puis aux parents s'ils acceptent ce mariage. La mariée est dans une pièce à part. Elle s'est changée comme pour montrer l'importance de l'aspect religieux de cette union. Après avoir récité ensemble quelques versets du Coran, les hommes forment une ronde jusqu'à l'arrivée de la mariée qui doit entrer voilée. Mais Tamara est si impressionnée qu'elle en a oublié ce détail. Je demande aux parents et aux invités de se rapprocher et de donner leur bénédiction aux jeunes mariés. L'assemblée répète 3 fois les mots consacrés. Que Dieu vous bénisse. Cette partie de la vidéo ne semble pas intéresser les enfants et même les parents. Mais les oreilles se dressent quand ils prononcent une phrase qui leur va droit au cœur. Certains musulmans par ici ne comprennent pas ces mots en langue coranique. Alors nous les traduisons en disant « Gloire au Seigneur qui nous a sauvés des peuples injustes ». Merci Seigneur de nous permettre de vivre dans cet endroit idéal. Vous êtes le meilleur guide de ceux qui nous ont conduits vers cet asile de paix. Un membre de la famille vient de se souvenir du détail du voile et recouvre précautionneusement le visage de Tamara. L'imam prononce ensuite les phrases qui consacrent l'union des époux et bénit les alliances. Mais un détail surprend. Au moment de tendre l'anneau à Tamara, il souffle sur l'alliance de la mariée pour la protéger. Exactement comme l'avait fait le vieux Poplavski sur la tête d'Arthur. Le dogme musulman est toujours écorné par une vieille coutume tatare. Le mariage se poursuit par une grande farandole, au cours de laquelle les jeunes mariés sont littéralement encerclés par les invités. Faut-il voir dans cette manœuvre amicale une résurgence de la technique de guerre par encerclement, qui était jadis le secret des cavaliers tatars ? Et quand, à un grand dîner de famille, on déguste les biélouzes, des boulettes de mouton et d'oie, et des pieds karazniki, des gâteaux au fromage frais, ce sont autant de plats qui font encore aujourd'hui le quotidien des bergers de Mongolie. Du haut de son minaret, qui témoigne de la victoire de l'islam, le muezzin prie. Il prie face à la steppe, devenue une plaine fertile. La vaste étendue sans défense n'est plus source de crainte d'une invasion, mais l'illustration du travail de toute une communauté qui s'est intégrée. «
Le muezzin chante. Arthur s'agenouille et prie comme tous les soirs à la même heure. Les barrières portent encore la marque de brides de chevaux attachés. Les guerriers d'Attila sont passés, mais l'herbe a repoussé. Les guerres se sont éloignées, les cavaliers sont restés, et la prospérité est revenue. Dans ce village a été créée une école coranique moderne. Semblable à n'importe quel lycée de la région, l'établissement dispense un enseignement complet à plus de 200 élèves. Contrairement aux règles de l'islam, les filles sont admises à suivre les cours. Filles et garçons profitent donc ici d'une éducation à laquelle leurs mères n'ont que rarement eu droit. Salam alaikum. Aujourd'hui, avec l'approche du Ramadan, notre mois de carême, nous allons parler d'un verset du Coran qui évoque le jeûne. Ramadan est venu comme un guide pour les hommes, comme un signe lumineux pour discerner le vrai du faux. Lorsque vous verrez croître la prochaine lune, vous commencerez à jeûner. Comme vous le savez, carême signifie s'abstenir de manger et de boire. Il existe des personnes qui ne peuvent pas s'abstenir, car elles sont, par exemple, gravement malades. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'ils devront se rattraper lorsqu'ils seront guéris. Exact. Celui qui fait le plus de bien mérite le plus de bien. Alors, plus il nourrit les pauvres, plus il obtient une récompense de Dieu. Si vous jeûnez en de nombreuses occasions, vous méritez plus. Si quelqu'un jeûne alors qu'il est en voyage, il mérite encore plus. Dans le jeûne, une récompense nous attend. Quelle récompense nous attend ? Ah, si nous le savions. Justement, si nous connaissions la récompense qui nous attend pour chaque chose positive que nous faisons sur Terre, nous jeûnerions toute notre vie. Les filles se sont voilées et tous les enfants se sont déchaussés. Le professeur aligne les garçons avant de commencer la prière. Pendant le cours, les filles étaient mélangées aux garçons, mais à cet instant, elles reprennent naturellement leur place. En retrait, au fond de la classe. Au vu de ces images, on pourrait croire que cette enclave musulmane au cœur de la Pologne, à peine à 200 km à l'est de Varsovie, est synonyme d'une résistance. Il n'en est rien. Des 3000 Tatars vivant en Pologne, 80% sont installés à Varsovie. La plupart d'entre eux se sont progressivement assimilés. Reste en peau de l'acquis une poignée de familles tentant d'être fidèles à la tradition, un peu nostalgiques du passé et respectueuses de la nation qui les a adoptées en son sein. Depuis l'arrivée des premiers cavaliers tatars en Pologne, l'histoire de l'intégration de ces guerriers et de leurs descendants s'est accélérée à la vitesse de leurs chevaux. Aujourd'hui, il reste quelques traits caractéristiques sur leur faciès. Une poignée de mots mongols qui ont survécu au temps et restent dans quelques bouches. Et des traditions que l'on respecte, presque par habitude. Les traditions sont tenaces. Les apparences sont tout aussi tenaces. Avec la progression de l'islam dans le monde, le regain d'intérêt pour les toutes petites minorités musulmanes est de plus en plus vif. À côté des milliers d'églises et de millions de Polonais catholiques et pratiquants,
les quelques centaines de Tatars de Podlaki voient se construire des écoles coraniques et des mosquées. Certaines, de taille respectable, sont financées par les capitaux de la communauté musulmane internationale. La construction de cette école à Bohoniki en témoigne. L'islamisation des Tatars suscite encore de l'intérêt dans la grande communauté musulmane. Les musulmans de la région sont fidèles à l'enseignement originel de Mahomet. Les phrases prononcées par le prophète voici plus de 1000 ans ont déjà été déformées à l'époque de leur transcription. L'interprétation moderne, partisane et toute récente de ces mêmes versets n'ont pas cours ici. Le fanatisme et l'intégrisme ne sont pas de mise en terre tatare. Un islam doux et tolérant, presque discret, ouvert aux autres croyances, convient bien à ceux qui ont eu quelque peine à faire de la Podlaki une deuxième mère patrie. La pérennité de la tradition dépend pour une bonne part de quelques passionnés, de professeurs, d'érudits et de religieux soucieux de réveiller le passé ou de le rendre bien présent. Monsieur Sobolevski est l'un d'entre eux. Président de l'Union supérieure de la religion musulmane, il se rend d'école en lycée et de cérémonie en festivité pour parler aux enfants. Aujourd'hui, il parle en fait d'intégration. C'est vrai. Nous étions des étrangers ici. À une lointaine époque, nous nous sommes battus contre les Polonais. Mais depuis cette époque, nous avons toujours combattu à leur côté, chaque fois que le pays a été menacé, quelle que soit la pensée politique des dirigeants. Alors, notre présence ici est justifiée. Nous avons le droit de nous sentir des citoyens à part entière. Nous ne devons avoir honte de rien. Notre histoire est belle. Nous l'avons dignement écrite. Il leur raconte comment les cavaliers tatars se sont battus aux côtés de Jagello, à Grunwald, contre les chevaliers teutoniques, puis contre les Ottomans, et même contre la Horde d'Or, leur cousin tatar de Crimée. À chaque guerre, ils étaient aux côtés de la cavalerie polonaise. Grâce au capitaine Krzyczkowski, le roi Jan III anoblit certains d'entre eux, qui reçurent les terres où leurs enfants vivent encore aujourd'hui. Pendant les guerres napoléoniennes, des nobles tatars s'engagèrent dans les légions polonaises qui combattaient avec l'aigle français. En 1812, Napoléon créa même un corps de cavalerie tatar qui combattit pendant toute la campagne de Russie aux côtés de la garde de l'empereur. Lorsque la Pologne fut occupée au XIXe siècle, les Tatars furent de toutes les luttes secrètes et de toutes les rébellions. Ils étaient invités à la signature des traités de paix et lors de la naissance de la Seconde République polonaise, proclamée en novembre 1918. Et même lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient au front, toujours dans des régiments de cavalerie. Certains disent que nous sommes des Polonais d'origine tatar. D'autres, des Tatars devenus citoyens polonais. Que dire? Les deux sont vrais, en partie. On ne peut pas dire que nous sommes des Polonais à part entière. Il nous reste beaucoup de signes, beaucoup de traditions typiquement tatars, méconnues des Polonais, parfois même des Tatars eux-mêmes. Pourtant, ils sont de la région de Bialystok. Mais le plus souvent, privés des traits physiques et culturels des Tatars. Il nous reste un tout petit groupe qui a conservé les signes physiques et les vieilles coutumes, comme l'azoum, le kourban, le mariage et les rites religieux. Vous êtes tous assis, je vous souhaite un bon appétit. Peut-être quelqu'un peut-il faire réciter la prière avant de commencer? Un participant se lève et récite la prière, reprise en chœur par les convives avant d'entamer le repas. Voilà.
Il y a une expression qui dit « Heureux soit le peuple qui a son poète ». Je pense que les Tatars sont un peuple heureux car ils ont leur chantre. Notre chantre, aujourd'hui, c'est Selima Zibievich. Selima est un homme qui vit près des frontières. Je ne pense pas seulement à la frontière biélorusse, toute proche, mais aussi à la frontière entre les populations, entre les cultures ou entre les religions. Selima est un poète tatar qui écrit entre un souhait et une réalité. Moi, un pèlerin de l'islam polonais, un souverain sans royaume céleste, j'ai vaincu le temps et l'espace grâce à mes poèmes. Ensemble, Adyar al-Oud, William Blake et Gengis Khan et toutes les hordes traversent ma mémoire. Dans la charge de leurs chevaux, dans l'odeur de l'herbe brûlée, des hommes et des femmes à cheval traversent les Carpates. Avec leur yourte tatare, vers Voline, un mystère de l'Orient. Les jeunes cavaliers sont parvenus au bout de leur route. La route qui les a menés vers les racines de leur peuple. En se fondant à l'intérieur de l'univers polonais, les Tatars ont acquis une nouvelle identité. Mais personne ne pourra leur retirer leurs origines profondes. Renaître ne signifie pas toujours se renier. À Sokolka, la famille Mourzov est réunie pour le baptême de la dernière petite fille. Pour l'occasion, sa mère termine de cuisiner une énorme crêpe traditionnelle. Dans la pièce voisine, l'imam Chaleki est debout sur une peau de mouton qui symbolise le foyer et la famille, la richesse, la stabilité et l'équilibre. Il prend délicatement chaque doigt de l'enfant en formulant ses souhaits de longévité. Le Coran, qui est psalmodié au cours de chaque cérémonie, ne peut être lu et commenté que dans la langue du prophète, c'est-à-dire en arabe. Ce livre sacré se compose de 144 chapitres écrits en prose rimée, les sourates. Il existe des sourates pour chaque circonstance de la vie. Chaque sourate est divisée en versets, qui ont reçu chacun un titre particulier, tiré de leur propre contenu. L'imam Chaleki récite les versets du Coran sur le baptême. Puis il saisit une oreille de l'enfant. Allah Akbar, Allah Akbar. Il célèbre la grandeur de Allah. Puis, se penchant vers la fillette, il prononce trois fois son prénom. Myriam, Élise, souviens-toi de ton nom. Myriam, Élise, souviens-toi de ton nom. Myriam, Élise, souviens-toi de ton nom jusqu'au jugement dernier. Élise appartient dorénavant à la communauté musulmane. Félicitations aux parents pour la naissance de leur fille. Tous mes vœux de bonheur, de santé. Qu'elle vive longtemps et qu'elle soit toujours une joie pour vous. Les invités peuvent maintenant prendre des bonbons. Cela aidera la petite Myriam à parler plus tôt. En plein hiver, Arthur et son ami Jamil se rendent en traîneau dans une ferme non loin de chez eux. Il est parfois plus simple d'avoir recours à de bons vieux moyens de transport dans cette partie du pays.
Ils veulent acheter un mouton pour les fêtes. Madame, où est votre mari? Mais vous venez d'où? De Sokolka. Et vous voulez quoi? Vous achetez un mouton. Nous vendre un mouton? Non, vous nous vendre, nous vous acheter. Vous en avez un? Oui, on en a. Vous voulez combien pour cette brebis? 150 zlotys. 150? Oui. Mais c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, non. Elle est banale, cette bête. Elle est maigre. Mais c'est votre prix. Je vais vous la prendre. Pourquoi vous voulez un mouton? C'est pour la fête de Kurban qui approche. Vous connaissez Kurban Bajran? Vous savez, il faut avoir un mouton. Oh, alors prenez-le pour 150 zlotys. Oh, tenez. Voilà deux billets de 100. Allez. D'accord, ça ira. Oui, mais il faut me rendre la monnaie. Oh, je ne rends pas la monnaie. Hein. Oh là. Bon. Installez-vous et surtout, tenez-le bien. Hein. Bonne route et bonne fête. Oui, au revoir, merci. Les deux paysans ont fait une bonne affaire. Arthur s'est fait rouler. Mais au moins, il a trouvé ce qu'il faut pour Kurban Bajran. Мухаммед Расулуллаху хака, Аллаху мисалля Мухаммед вяля, Али Мухаммед веселем теслима, Раббум Аллах. Son jour est venu de partir pour l'au-delà. Les hommes portent le défunt directement sur l'épaule. Il n'y a pas de cercueil à proprement parler. Seules deux planches permettent de maintenir la dépouille. Le corps a été lavé, puis habillé et protégé par trois épaisseurs de vêtements et de draps. Il sera enterré à même le sol. La procession se dirige vers le cimetière. Seuls les hommes devraient être présents aux funérailles, car selon la loi islamique, les femmes ne doivent pas participer à un enterrement. Les femmes donnent la vie, elles ne l'enlèvent pas. Mais de nos jours, l'affliction l'emporte sur la tradition. Salam alaikum. L'imam salue le cimetière. Puis il récite les paroles des Jessiens, la prière des morts, avant que la dépouille ne passe la porte du cimetière pour être placée au fond de ce que l'on appelle ici le mizar. Une fosse a été creusée dans le sol, suffisamment profonde pour que le mort puisse s'asseoir et se lever au jour du jugement dernier. À cet instant encore, les femmes sont présentes. Le prophète n'a pas été complètement entendu dans ce coin de la peau de la quille. Selon la croyance musulmane, les deux anges, Munkir et Nekir, vont descendre et poser des questions aux défunts sur sa vie terrestre. Peut-être ils l'aideront ensuite à partir vers le Kaaba et la Mecque, dans l'attente du jugement dernier. Le mort est descendu dans la tombe, recouvert de planches, puis de terre. Le moment arrive où le défunt doit désormais rester seul face à son destin. Étonnante est la croyance qui laisse l'âme et le corps ensemble face à une sentence future. Il n'est pas question de paradis, de purgatoire ou d'enfer, mais simplement de l'attente du jugement dernier. Maintenant, écartez-vous.
L'imam demande aux participants de s'écarter d'au moins 40 pas de la tombe pour qu'ils puissent réciter Doua, la toute dernière prière spécifique des morts qui aidera un jour le défunt vers son au-delà. Адам ибн Хава, Адам ибн Хава, Адам ибн Хава, искрол ахдиллезима энте харечтаху фидунья, бисмиллахи. L'imam entame enfin le zikr, un chant ancien très mélancolique qui mène vers la lumière divine. Devant la petite mosquée de Bohoniki, les jeunes apportent le mouton pour célébrer Kurban Bajran, la fête de l'offrande de l'agneau. Le prophète Abraham souhaitait un enfant. Il a promis à Dieu que si son vœu était exaucé, il lui sacrifierait un mouton chaque année. Faisons tomber la tête de ce Kurban vers le sud. Comme Abraham, les Tatars sacrifient un mouton chaque année. Comme le roi Agamemnon pour épargner sa fille. Comme les chrétiens, ils immolent un agneau pascal. Mais l'agneau est sacrifié ici, en plein hiver. Kurban est une offrande à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'âme d'Adam. Maintenant, nous devons faire les choses bien ensemble. Quand je dirai « Aho », vous pourrez commencer. Les jeunes sont prêts. Ils attendent et écoutent jusqu'au moment où l'imam prononce le mot « Aho ». À ce moment, ils sacrifient le mouton. Même si les participants viennent chaque année célébrer Kurban, certains d'entre eux ne se sentent pas très à l'aise. Il semblerait qu'ils n'ont pas une âme aussi rude que le climat de ce pays en hiver. Oh, et que Dieu accepte le sacrifice, qu'il prenne le mort sous sa protection. Le mouton est partagé entre tous les participants. Chacun rentrera chez lui avec une part égale et préparera un plat traditionnel. La tête du mouton est laissée avec sa toison, car elle restera une année durant le symbole de cette célébration. L'imam Chaleki récupère la peau du mouton et la rapporte à la mosquée. Elle lui servira au cours d'autres cérémonies, car elle demeure le symbole de la stabilité du foyer. L'équitation est un sport populaire en Pologne. Salam alaikum. Salam alaikum. Et d'où venez-vous? De Sokolka. Je voudrais savoir si nos enfants pourraient venir monter ici. Ils peuvent suivre un cycle de cours complet. Rachid souhaiterait plutôt sortir en promenade. Mustapha aussi. Et Tamerlan pourrait soigner les chevaux. Tamerlan. C'est une bonne idée de leur apprendre à monter. Vos enfants doivent avoir le sang chaud de leurs ancêtres. S'ils veulent monter, autant qu'ils s'y mettent tout de suite. Les Polonais ont toujours été un peuple de grands cavaliers. Les Uhlans, les lanciers et les chevaux légers faisaient partie des unités d'élite de la garde impériale napoléonienne. Quant aux Tatars, leurs origines lointaines ne remontent-elles pas aux grandes steppes et aux chevauchées victorieuses qui leur fit parcourir 10 000 km à cheval? Alors, le cheval tient une place toute particulière dans ce petit coin de Podlaquie.
La tradition équestre ne s'est jamais démentie dans la région, procurant beaucoup de travail à des artisans extrêmement compétents. Il n'y a rien de surprenant à constater qu'un bon nombre de ces artisans ont encore les traits bridés, les pommettes hautes et le teint mat de leurs ancêtres. Le monde du cheval ne pouvait que passionner les Tatars de Pologne. Au sud-est de la Podlaquie, le haras de Janov-Podlavski est situé sur la frontière ukrainienne et biélorusse. Il est célèbre dans le monde entier pour la qualité de ses pur sang arabes et ses étalons. Même pendant la période communiste, les plus riches éleveurs venaient chaque année des États-Unis, des pays arabes et du monde entier pour acquérir de jeunes étalons ou des poulinières. Des sommes exorbitantes étaient atteintes au cours de ventes aux enchères surréalistes. Avec la libéralisation de la Pologne, le succès de ce haras ne se dément pas. Jadis exorbitantes et surréalistes, les enchères sont devenues des caprices de multimilliardaires. La petite communauté tatare n'est pas directement concernée par les fortunes investies dans le monde équestre dans la région. Elle vit modestement, en tentant de préserver l'essentiel de ce qui subsiste de son passé atypique et exceptionnel. Atypique, car leur histoire est probablement unique au monde. Il n'est guère de cas de minorité aussi identifiable, intégrée à plus de 8000 km de ses racines. Exceptionnel, car les Tatars préservent encore aujourd'hui une partie de la mémoire collective de l'humanité. Ils ne sont que 500, peut-être 1000, à porter encore sur leur visage les traits de leurs prodigieux ancêtres. Ils ne sont qu'une poignée à se souvenir aujourd'hui des fondements de leur histoire et de leur tradition. Mais leur exemple fait espérer pour d'autres minorités dans le monde, qui pourraient penser que l'avenir de leur peuple ne s'inscrit plus qu'au présent, ou pire, au passé. We'll be right back.